Henri Guédon, vous êtes musicien, vous êtes compositeur, vous êtes martiniquais, et vous apprêtez à transformer Montais en une espèce d'annexe des Caraïbes. Alors, quelle est l'idée, quel est le projet? Ben, pendant une journée, Montais va se tropicaliser, hein, tous les coins. Il va avoir, dans les quatre coins de la ville, un orchestre d'harmonie qui va faire une parade, mais une parade de style Caraïbe, avec des rythmes des Antilles, pas seulement de Martinique, de Guadeloupe, mais de Porto Rico, de Cuba, de Santo Domingo. Et après, ça, en forme d'étoile, quand les groupes vont se rencontrer, il va y avoir une espèce de méga-bande de 500 personnes qui vont jouer la même chose. Ça va être formidable. Et ensuite, il y a une chorale du flanc de la côte de la montagne qui va chanter des chants abakwa avec des lyriques qui veut dire incantation à la liberté, hommage à la paix, etc. Et vous avez écrit une partition? On a écrit beaucoup de partitions. Il y a pour les groupes vocaux, les fanfares, et puis pour les petits orchestres de percussion qui vont être fomentés dans chaque fanfare, dans chaque groupe. Alors en ce moment, vous faites travailler tout le monde, tous les enfants des écoles, tous les jeunes, oui. Tous les groupes de Montais. Tous les âges, il y a des enfants de 3 à 12 ans, et de 12 à 16 ans, et des jeunes, et aussi, on sait bien que dans les harmonies et les fanfares, il y a tous les âges, ça va être formidable. Bon, je sais bien qu'à Montais, il y a un carnaval, donc on est un peu habitué à la fête, mais enfin quand même, ce style de fête, c'est pas tellement dans le tempérament suisse. Alors, ça fonctionne bien, ça swing? C'est pas un carnaval, ça. Non. C'est plus une création avec plein de rythmes différents. Mais c'est une fête. C'est une grande fête, c'est surtout la fête. On va vivre quelque chose, une première mondiale, c'est-à-dire les gens, les habitants de Montais vont faire leur programmation, c'est-à-dire qu'ils vont jouer leur... Il y aura les cloches d'église, il y aura les habitants qui vont participer, c'est extraordinaire. C'est une vraie fête populaire. Thank you.